C'est au foyer des jeunes de Koro que l'émissaire de la Case Verte, le ministre Dosso Moussa, a entretenu militants et militantes de son parti sur les questions d'actualité telles que le parti unifié, le référendum, les élections locales, entre autres. Après Koro, cap sur Waninou à 23 km de Touba. Ici, la pluie n'a pas freiné les ardeurs des militants venus chercher des réponses à leurs préoccupations. Au niveau de la base, après les élections, nous avons des vaillants secrétaires, qu'il faut prendre en compte. Pourquoi ne pas peut-être donner des primes d'intéressement par mois? Il faut avoir beaucoup de projets. Le président de la République a beaucoup fait, mais il faut continuer à avoir des projets pour nos jeunes. C'est important. Autant de questions également posées par les militants du Rassemblement des Républicains de Touba. À cette dernière étape, comme dans les précédentes, le ministre Dosso Moussa a dissipé les inquiétudes de ses militants sur leurs différentes préoccupations et les a rassurés sur la question du parti unifié. Le parti unifié a commencé déjà depuis plusieurs années. Le parti unifié, c'est le RHDP. Le RDR ne va pas être mangé par n'importe quel parti, par aucun des partis. Nous allons demeurer le RDR et travailler ensemble avec les autres partis politiques. Un message bien perçu par militants et militantes du Bafing. Dans la région du Bafing, les Républicains sont donc prêts pour élever les enjeux des futures batailles électorales au sein du RHDP.